Nous sommes un samedi. Voilà, je suis réveillée depuis genre peut-être 20 minutes, on va dire, parce que je me réveille à peu près quand mon copain part en fait. Enfin, il me réveille quand il se réveille, mais après je me rendors jusqu'à qu'il s'en aille. Puis là, je me dis, allez, je me lève. J'aurais pu dormir plus, hein, mais comme j'ai encore plein de choses à faire, voilà. Voilà. Bon, je vais me faire mon petit déj, je vais me faire un bol cake, mais les 3 bols qu'on a ont été utilisés. Mon copain il m'a volé, ça c'est mon bol préféré que je prends toujours pour les bowl cakes. Mais bon, vu qu'il y a que du lait dedans, je vais faire la vaisselle de ce petit bol maintenant, ça sera assez rapide. Parce que j'ai des bananes là qui ont vraiment besoin d'être utilisées. Bon, sinon maman vient de me dire que on fêtait l'anniversaire de mes deux sœurs demain avec la famille. Sauf que, mais en fait j'étais pas au courant. Elle me dit mais si, je te l'ai dit normalement, mais non. Si elle me l'avait dit, j'aurais retenu, mais là, non mais regardez la tête de ma banane s'il vous plaît. Noir, mais bon, normalement elle devrait pas être trop mal à l'intérieur, j'espère. Normalement, bon, et sinon, je pense qu'il va falloir faire des courses aujourd'hui. Je vous avais dit que je voulais attendre mardi pour Leclerc et tout, sauf que là j'ai plus de bananes. Franchement, ça commence à être la dèche. Demain, je pense que du coup, je vais manger genre des biscottes et beurre confiture et me faire du jus d'orange avec des oranges. Il me reste 3 oranges. Enfin, bref, je pense qu'il va quand même falloir faire des courses. Je vais voir si je fais pas un petit Leclerc Drive, ce sera mieux. Puis franchement, Leclerc, je trouve que c'est pas trop cher. Et puis tu vois tout sur le site, les promos, tout ça. Donc je trouve ça plutôt cool. Bon, voilà. Et je vais boire mon petit thé glacé. Et le Nutella, c'est pas pour mon bowl cake, hein, bien entendu. Voilà. Bon, j'ai fait mon petit drive. Donc j'ai pris escalope de poulet, tomate, salade, courgette, banane. Et j'ai pris ça, il y avait panier de fruits bio, 4 à 7 variétés, donc comme ça, j'ai juste pris les bananes parce qu'il m'en fallait, mais le reste des fruits, du coup on verra bien, ça peut être cool d'avoir de nouveaux fruits. Je me suis pris des Activia, en fait il y a plein de trucs avec des réductions, du coup voilà, des haricots rouges, en fait c'est pas forcément... Parce qu'en fait je vais refaire un plus gros truc mardi, donc là j'enlève tout ce qui a pas besoin. Enfin tout ce qui a pas de réduction et que j'ai pas besoin dans l'immédiat. Ensuite il y avait des petits gâteaux apéro comme ça, il y avait une réduction dessus, donc je me suis dit ça peut être cool parce qu'on a rien de genre, s'il y a quelqu'un qui vient prendre l'apéro chez nous, il n'y a rien. Ketchup pareil, j'ai pris celui-là, il y avait une réduction. Du pain de mie nature, ça c'était quoi? Ah oui, il y avait deux gratuits, je crois. Ça pareil, il y avait des réductions, donc c'est de la bière, c'est de la manzanita, enfin manzana quoi. Et des réductions, je me dis pareil, s'il y a des gens qui viennent, c'est plutôt cool. Gel douche, ça c'est pour mon copain. J'adore les gels douche d'hommes. Alors du coup, j'ai pris ceux-là, ils sont trop bons. Pareil pour le déo, il y avait des réductions. Ça, le bain de bouche, c'est pareil. Ah si, il y avait des réductions. 25%. Et voilà. Et du coup, quand même, tout ça, ça fait quand même 43 euros, les gars. Et ça, c'est des toutes petites courses, bien sûr. Voilà. Du coup voilà, c'est fait, j'ai payé. Après ce que je fais, c'est que je transfère le mail où il y a le numéro de commande, tout ça, à mon copain. Comme ça il va le chercher en rentrant du travail, c'est plutôt pratique. D'ailleurs il y en a plusieurs qui savaient où il bossait là maintenant, puisque bah, forcément quand tu bosses dans un magasin, c'est facile de croiser des gens, donc des abonnés qui habitaient sur Besançon. Eh bien il va changer de boulot, parce que là il était en CDD, il a trouvé un CDI. Du coup ça sera plus les mêmes horaires, tout ça, donc ça va peut-être changer un peu dans les vlogs, on verra. Voilà voilà. Bon, j'ai fait le montage du vlog qui sera en ligne demain. Là j'étais en train de faire celui qui sera en ligne bah, mardi. Du coup ma vidéo de lundi est prête. C'est cool. Et là mon copain vient de m'appeler. Du coup il est allé au drive et il arrive dans 2 minutes. Donc pour me dire si je peux venir l'aider pour décharger les courses. Donc j'y vais y aller. Et là j'ai mis une robe vite fait. Voilà, parce que je voulais pas rester en pige. Et c'est une robe du coup de chez Bou que vous verrez bientôt dans un haul. Voilà voilà. J'ai tout mis sur le lit, comme ça je vais filmer ça. J'aimerais bien filmer ça cet après-midi, mais je sais pas où je vais filmer. Du coup voilà, le gros bazar sur le lit, c'est tous les habits. J'ai classé par haut, robe, jupe short, comme ça je porterai ça. Les maillots de bain, je vais pas les montrer porter. Et j'ai des sous-vêtements aussi, mais je les ai mis de côté pour les essayer. Voilà, je pense qu'il y a des trucs que je vais renvoyer. Une jupe que j'avais pris dans la gamme grande, bien sûr j'ai pas fait gaffe. Et une autre que je sais pas pourquoi, mais la couleur me plaît pas trop. Je sais pas en fait pourquoi je l'ai pris et je me souviens pas l'avoir prise. Donc bon, on verra. Voilà, là je vais du coup mettre des chaussures. Je vais prendre la clé de la voiture, voir s'il y a pas des colis aussi. Et aller aider mon copain. En fait, j'y vais en robe comme ça et tout, mais je pense que ça caille dehors. Oui, ça caille.
Je vais mettre une petite veste du coup quand même, hein, parce qu'on va pas faire le fou. Du coup, je viens d'aller à la boîte à lettres, mais regardez la couleur de ce colis, j'ai aucune idée de ce que c'est par contre. Bon, je vous ai dit que j'allais sûrement faire les vidéos des habits portés, mais je crois qu'en fait non, parce qu'il fait vraiment pas beau. Et qu'en fait, je vois pas l'intérieur où je pourrais mettre pour qu'on me voit en entier, à part dans le couloir de l'appart, quoi. Et j'ai vu que mardi il faisait 27 et du soleil normalement, donc je pense que je vais attendre plus la semaine prochaine. De toute façon c'est pas pressé, c'est une vidéo qui sera même pas en ligne la semaine prochaine mais la semaine encore d'après. Donc j'ai juste empilé les vêtements pour que ce soit prêt pour quand je filmerai, voilà, plutôt que les laisser traîner dans le carton. Faut que je regarde aussi quand est-ce que j'ai reçu, comment je fais pour renvoyer tout ça pour pas que ce soit trop tard, parce que qu'il y a des trucs que je vais sûrement renvoyer. Et voilà, et finalement j'ai une autre vidéo aussi à tourner, mais je me dis que je la tournerai peut-être lundi. Parce qu'en fait aujourd'hui j'ai rien de spécial à faire, voilà, donc je m'étais dit peut-être que je me maquille pas aujourd'hui, puis lundi j'ai plusieurs trucs à faire, donc peut-être que je tournerai peut-être plutôt lundi. Et que là du coup ce serait bien que je révise, hier soir en me séchant les cheveux, j'ai révisé un petit coup, mais je vous avoue que j'ai vraiment du mal. Parce que comme je l'ai dit, je suis assez fatiguée en ce moment. Du coup, quand t'es fatiguée, c'est vraiment hyper compliqué de se concentrer. Ah, mais je suis en train de me dire qu'en fait, j'ai une autre vidéo aussi à tourner pour un autre truc qui sera pas en ligne sur ma chaîne. Je sais pas, je suis perdue, les gars. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que là, il est 16h41, donc là, en fait, j'ai pressé toutes les oranges que j'avais et je les ai mis là-dedans parce que j'en voulais pour le goûter et que j'en prendrai pour demain matin, voilà. Sinon, dans le truc de fruits, là... que j'ai pris sur le drive, j'ai eu une poire, une pomme, deux kiwis, quelques bananes et du coup une orange. Voilà ce qu'il y avait là-dedans. Et dans le colis tout rose, en plus c'était emballé là-dedans, c'était trop mignon. C'est un pantalon de la marque Les Petites Chaudières, sauf que je suis assez déçue. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas où je vais... Est-ce que si je me pose là, ça tient? C'est quoi cette coupe de cheveux que j'ai? On se demande... Alors en fait c'est un pantalon comme ça, il s'accroche sur le côté mais la matière est hyper fine et je sais pas si vous allez voir, on voit pas très bien la caméra. Mais bref, j'ai l'impression que qu'il est transparent en fait, et le truc c'est qu'il est très large, très très large, et niveau taille, je sais pas si vous allez voir, mais en fait si je le mets je pense que le truc touche le sol, voilà, j'ai pas encore essayé. À voir où ça me va au niveau de la taille. En plus je peux pas mettre de ceinture, donc je peux pas le remonter pour que ce soit plus court. Donc bon, je vais essayer, mais je suis pas sûre que ça m'aille, hein. J'ai pris en quelle taille? Parce que je regarde, j'ai pris la taille 0 en fait, la plus petite. Donc bon, il va falloir que j'essaye, on verra. Donc là je vais faire mon goûter et ensuite il faudra aussi que j'emmène les colis. Enfin oui, les cartons, puis tout ça, bref, à la poubelle. Et sortir la poubelle. Mais là pour le moment je vais prendre mon goûter. Je pense que je vais prendre sûrement du pain de mie avec du beurre de cacahuète. Voilà. Parce que j'ai besoin d'un petit goûter qui me réconforte. Je vais relire mes fiches de cours. Voilà. Et il y en a qui m'ont dit, oh, j'ai l'impression que tu réalises pas beaucoup tout ça. Et ben, j'ai envie de vous dire, j'ai exactement la même impression que vous. Je voulais réviser pendant mon stage et... je t'ai crevé, j'avais 10 milliards de choses à faire. Et du coup voilà, du coup je suis absolument pas du tout sereine pour les rattrapages. Mais alors vraiment pas du tout. Et ça me saoule parce que je m'étais dit ouais, je vais réviser bien à l'avance et tout. Je vais commencer, j'ai 5 semaines de stage. En 5 semaines si je révise bah, pendant les 5 semaines mes deux matières, ce sera hyper, ce sera bon, je saurai tout bien et tout, et voilà. Je suis extrêmement déçue de moi-même. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois que j'ai filmé? J'ai fini de tout noter, enfin de faire en gros une petite... de relire quelques fiches. J'ai pas fini de relire toutes mes fiches, bien sûr. Et j'ai fini de faire sur l'ordi, en fait, j'avais noté tout le vocabulaire, ça il y a un moment. Et là, j'ai noté tout ce que la prof m'a dit, enfin toute la correction en gros, du partiel que j'ai raté, voilà. Parce que ce sera sûrement aussi encore pareil sur des sons infirmiers, des choses comme ça. Donc du coup je l'ai fait sous forme d'une page coupée en deux. Enfin bref, je vous montrerai après. Du coup je vais l'imprimer
Et là, je pense que je vais aller ranger un petit coup la chambre, genre mon bureau, tout ça, les habits que j'avais laissé traîner sur le bureau. Voilà. Et sinon, dans l'aquarium, genre, cette plante-ci et tout, elle a perdu toutes ses feuilles. Avant, il y avait une grosse touffe. J'en ai replanté certains par là-bas. Il y en a des tout bébés là qui, j'espère, vont pousser. Mais du coup, voilà quoi. Et j'ai tout nettoyé, j'avais tout frotté les vitres et il y a tous des petits bouts d'algues qui sont venus se remettre sur les vitres. Voilà, j'ai nettoyé le sol un max. Mais il faudrait encore que je nettoie. Mais j'avais en fait, comment, quand on aspire les saletés, ça aspire en même temps de l'eau et j'ai déjà vidé deux seaux comme ça. Donc du coup, je me suis dit que je le referais bah, du coup dans la semaine prochaine. Voilà. Et sinon, bah écoutez, les petits poissons vont bien. Voilà. Je viens d'aller vider, enfin sortir tout ça, les poubelles. Et bien sûr, il pleuvait dehors parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc du coup, j'ai pas mal de choses à ranger. Sinon, j'ai commencé. Je l'avais déjà fait il y a un moment, mais du coup là, je recommence donc une cure du Smile Detox de Mercandy. Et il va y avoir une vidéo à propos de ça, mais pas sur ma chaîne. Enfin bref, je vous en reparle très bientôt. Et j'en ai la tonne en fait. Ça, c'est toutes des cures de 15 jours en fait. Voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à filmer quelques petits bouts d'un truc, mais bref. Alors, en tout cas, je vais pas les laisser sortir parce que là, il y en a beaucoup. J'ai besoin de qu'un seul sachet, bien entendu. Je vais pas faire 15 cures en même temps. Bon, sur mon bureau, il me reste juste à ranger quelques petits produits de beauté qui traînent. Mais là, faut aussi que j'emballe les Playmobil qui sont ici. Parce que demain, on fait l'anniversaire de mes deux sœurs. Donc, Lou, je lui avais déjà donné un cadeau. Enfin, je lui avais donné des sous, bref. Quand j'étais allée chez mes parents le jour où on avait fait son gâteau, tout ça. Et Lily, du coup, il va falloir que j'emballe ça. Avec mon super papier cadeau que j'avais acheté, la Reine des Neiges. Là, j'espère que ça lui plaira, mais bon. Tu lui offres un truc la Reine des Neiges, de toute façon elle adore. Puis plus ce que je lui ai acheté, je vous ai déjà montré, c'est dans le vlog qui s'appelle j'achète des cadeaux ou des cadeaux pour lui, enfin un truc comme ça. J'ai plus, là je viens de tout nettoyer, j'ai fait un peu au vinaigre blanc parce que franchement les moucherons là ils étaient tous sur la bouteille de vinaigre normal, j'ai pas compris. Pourtant elle est fermée, tout ça. Il y en a qui se mettent là aussi, là au-dessus de la haute, je comprends pas, pourtant il n'y a rien, enfin. Je comprends pas trop du coup. Je l'avais déjà vu sur internet l'astuce, mais vous étiez plusieurs à me la redire, mais mon copain l'a déjà regardé. Moi j'aime bien comme ça sent. Un verre avec. Bah là du coup j'ai mis un peu d'eau et du vinaigre blanc. Voilà. Et je vais m'attaquer à la vaisselle. Donc j'avais peut-être une idée de quoi faire à manger ce soir. Je voulais faire une genre salade César, enfin genre une salade avec du poulet. Mais du coup je me dis que si demain on fait l'anniversaire de mes soeurs, ça va peut-être mieux de manger la salade demain soir, c'est-à-dire un repas léger, sachant que moi j'ai mangé de la salade à midi, je l'ai même pas terminé ma salade. Du coup elle est là et enfin il en reste un peu, mais j'ai peur que si je la laisse jusqu'à demain, elle soit plus très très bonne quoi. Je sais pas. Du coup je verrai quand mon copain rentre. Parce qu'au pire si c'est une salade César, elle a juste à cuire le poulet. Donc c'est pas bien compliqué. Donc là, il est 19h02. Je vais vous laisser pour ce vlog. Donc demain, je ne vlog pas, c'est l'anniversaire de mes soeurs. Mais j'aurais sûrement mis des petits snaps, tout ça. Je vais aller faire la vaisselle. J'ai commencé à préparer une machine, mais il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas assez de linge. Enfin, on pourra encore en rajouter. Du coup, je vais pas la faire préparer maintenant. Et je vous ai pas dit. Là, on dirait que j'ai des cernes, c'est bizarre. Là, je viens de réserver mes billets de train pour Paris. Mais en fait, je ne vais pas à Paris. Enfin. Si, bien sûr, faut aller à Paris, mais disons que je pars de Paris, donc il fallait que je réserve des billets de train pour aller à Paris. Et ensuite, je vais en Suisse. Donc, je vous en dis pas plus, mais pendant plusieurs jours avec d'autres personnes. Donc, j'espère que ce sera des vlogs un peu mieux, quoi. Ça va changer. Et en fait, quand j'ai dit enfin, quand j'ai été invitée et que j'ai dit que je pourrais venir, j'étais absolument pas sûre de pouvoir venir. Et coup de bol! C'est du 9 au 12 juillet et j'ai mes résultats en fait de partiel du semestre 2 le 10. C'est-à-dire que je peux pas avoir de partiel le 11 et 12 quoi. La semaine juste après les résultats, c'est des partiels en fait où il n'y a pas besoin de vraiment de révision. Et ceux avec révision, c'est la semaine d'après. Donc je suis trop contente parce que je vous avoue que j'ai dit ouais je viens et tout. Mais j'étais pas sûre du tout et je croisais les doigts et je peux venir. Du coup c'est trop trop bien franchement.
J'ai regardé à quoi allait ressembler l'hôtel, ça a l'air trop cool. Du coup j'ai regardé 15 fois pour mes billets, c'était bien la bonne date et tout. J'ai pris une petite assurance là à prendre. Parce que franchement vu le prix des billets, voilà quoi. Heureusement que ce n'est pas moi qui paye les billets pour aller en Suisse. Mais du coup je suis un peu dégoûtée on va dire. Parce que en fait je suis obligée d'aller à Paris, de dormir là-bas, d'aller en Suisse. Et quand je reviens de la Suisse, je suis obligée de redormir là-bas parce que j'ai pas de train qui arrive pour l'heure précise. Et c'est bête parce que moi je suis pas très très loin de la Suisse en fait. Je suis plus près de la Suisse que de Paris à la Suisse en fait. Mais bon, ce n'est pas moi qui choisis. Mais en tout cas, je pense que ça va être trop trop cool. Et si vous avez des idées de ce que c'est, ou peut-être que d'autres personnes ont déjà pareil, je ne sais pas, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Je fais ma petite vaisselle, je vous laisse pour ce vlog. Et je vous fais de très gros bisous. Et à demain.